Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants, également aux nouveaux abonnés. On a énormément eu d'abonnés là, la dernière semaine qui vient d'arriver, qui vient de passer, pardon. Beaucoup, beaucoup de nouveaux. Donc, bienvenue à vous. Vraiment, je suis ravie de vous accueillir ici. Si ma voix vous parle, si mon énergie vous parle, si mes explications vous parlent également, voilà, bah, je suis vraiment contente. Et bah, je vous remercie beaucoup parce que je sais que voilà, que j'ai une mission et que vous faites partie de ma mission. En tout cas, de l'une d'entre elles, ça c'est sûr. Et si je peux vous aider, vous faire avancer dans votre vie, ou juste répondre à quelques petits questionnements, vraiment, en toute humilité. Je ne me permettrai jamais de vous dire que je peux, voilà, que je vais changer votre vie ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si je peux vous aider, vous accompagner dans votre cheminement intérieur, votre cheminement spirituel, votre cheminement de compréhension de vie, eh bien, j'en serais ravie. Sachez que chaque fois que je vous tire les cartes, chaque fois que je fais un sujet particulier, eh bien, je me l'attribue également aussi. Je travaille comme vous, j'ai plein de choses à faire, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi également. Et voilà, donc je suis vraiment heureuse bah, qu'on travaille tous ensemble finalement. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de faire un petit tirage amoureux pour changer un petit peu. Enfin non, récemment, j'ai beaucoup, beaucoup de tirages amoureux que j'ai besoin de faire. Voilà, je suis appelée à faire ça. Je pense qu'en ce moment, je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, mais qui sont amoureux, mais qui savent pas trop comment faire. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens perdus dans leur histoire d'amour en ce moment. Donc, eh bien, on va essayer en tout cas de vous aider. Alors, aujourd'hui, j'ai des petits nouveaux. Je vois que, enfin, normalement, vous les connaissez pas, ceux-là, enfin, en tout cas sur ma chaîne. Alors, donc celui-ci, c'est l'oracle des rebelles sacrés, vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé, on va le prendre. Par contre, ici, j'ai un petit nouveau, je sais pas, il m'a parlé. Alors franchement, c'est pas trop mon style en général, ce genre de jeu, mais écoutez, celui-ci m'a parlé. Alors en plus, c'est un jeu de Bruno Lallemand, je sais pas si vous le connaissez, on voit pas mal de vidéos sur YouTube. C'est une personne qui aide les gens également sur leur cheminement. C'est un conférencier, c'est... voilà, enfin, vous pourrez aller le voir du coup sur YouTube. Je pense que si vous êtes dans le domaine de la spiritualité, en tout cas que ça vous intéresse, vous le connaissez forcément. Après, je ne connais pas forcément ses résultats, hein. Je ne vais pas dire non plus que je connais son travail précisément, mais j'ai reconnu son nom immédiatement. Et je ne sais pas, ses cartes m'ont beaucoup parlé. Et également, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je suis hyper contente. Alors, je l'avais vu sur un site anglais, je voulais le prendre en anglais, et là, je l'avais oublié. J'avais oublié. Et là, je vois qu'il est sorti en français. Donc, les sororités sacrées. Alors, ce jeu, vraiment, mais c'est une pure merveille. Donc, c'est un tarot, d'accord? Il est fait autour de la sororité, d'accord? Bon, ben voilà, tout qui se casse la figure. Et regardez-moi cette beauté. Déjà, je vous montre l'arrière. Juste sublime. J'adore, j'adore. Je crois que oui, ce sont des grenades. Et alors, déjà, il est doré. Bon, ça, c'est pas forcément mon truc parce que je pense que ça va s'abîmer au bout d'un moment. Mais regardez-moi ces cartes. Juste sublime. Vintage, comme j'adore. Oh, elles sont magnifiques. Donc, on va faire un petit tirage avec, évidemment. Il est juste sublime. Oh là 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 là. Donc, vous allez le voir, vous allez le découvrir en tirant les cartes. Alors, réalise ton aspiration. Ce jeu-là, il est composé d'un tas de cartes avec le dos violet ici, le lilas violet. Je crois que c'est du lilas, hein, je suis pas sûre. Et ici, avec les fleurs orangées roses. D'accord? Donc, on va aller faire le tirage et ça sera un conseil. Donc, on va le mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire peut-être plusieurs tirages. Où est-ce que vous en êtes sur le domaine amoureux, ce qui arrive vers vous? Alors, eh bien, on va faire... Eh ben voilà, on va utiliser... Donc, j'ai aussi craqué sur celui-ci que je vois depuis tellement longtemps et que voilà, j'avais jamais craqué, mais je vais craquer. Je suis de plus en plus adepte vraiment de Tony Carmine Salerno. En fait, je croyais que c'était une femme, et en fait, non, c'est un homme, et j'aime beaucoup sa sensibilité.
Donc c'est lui qui a fait l'oracle de Marie-Madeleine, c'est lui qui a fait l'oracle amoureux, et c'est lui aussi qui a fait, vous savez, comment il s'appelle? Le petit oracle des anges qu'on utilise souvent. D'accord? Donc ça, c'est la même personne. Et bah, j'aime bien son énergie, finalement. J'aime bien. Ok. Donc, on va faire un choix entre les trois cœurs. On va aller chercher. En espérant qu'elle ne se retourne pas direct. Et vous allez du coup pouvoir choisir en fonction du dos de la carte. Vous voyez, ils sont magnifiques. Il a pris d'autres. Il a pris en fait des cartes de d'autres jeux pour faire ses dos. Oh, d'accord. Ok. Par contre, alors effectivement, hein, j'ai toujours entendu dire que pour le mélanger, c'était quelque chose. Mais alors là, c'est vrai que c'est quelque chose. Je sais pas si vous avez vu le dos. D'accord. Donc, je pense qu'il ne faut pas espérer le garder en forme de cœur. Ok, bon, il y en a beaucoup trop. Allez, je vais prendre la troisième comme ça. Voilà. Donc, vous allez choisir entre ces trois cœurs. Et on va aller voir donc qu'est-ce qui arrive vers vous du côté sentimental. Et bien sûr, on regardera le symbole de la carte à la fin. Donc on y va, on commence avec les personnes qui ont choisi le premier cœur. Ici, ce cœur avec des papillons violets qui nous parle déjà, pour moi ici, de transformation. Ici, on a une fleur qui nous parle également d'épanouissement intérieur. Il y a vraiment une transformation, un épanouissement intérieur qui est en train de se créer autour de vous, à l'intérieur de vous plutôt. Donc on va voir de quoi on nous parle. Donc on est sur le domaine amoureux. Qu'est-ce qui arrive vers vous du côté amoureux, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que l'on va? Je le mélange bien parce qu'il est peu mélangé étant donné que je ne l'ai jamais utilisé. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous du côté sentimental, les amis, qui avaient choisi, du coup, le papillon rose, violet. Alors, on nous parle de discipline, on nous parle de structure, on nous parle de solidité, de fondement, de base solide. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Bon, ok. On a la patience. D'accord, très bien. Alors, de toute évidence, vous êtes dans une relation qui est en train de se construire pour moi. Vous êtes en train de construire une relation avec une personne. Et on vous demande d'être un petit peu plus stable avec cette personne. Je vais prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Non, 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 trois cartes, non. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais vraiment qu'elle saute. Ok, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Alors ici, on a la carte de l'avidité. Donc on, là, on nous parle d'ombre. Hein. Vous voyez bien que, de toute façon, c'est très clair ici à voir. Vous avez les cartes blanches qui nous parlent de lumière et les cartes noires qui nous parlent de l'ombre, évidemment. D'accord? Donc, apparemment, alors, attends, donc, ok. Donc, ici, on voit qu'il y a une structure, ici, que vous êtes en train de stabiliser une relation, d'accord? Ok. Ouais. Donc, on voit que la volonté, elle est positive, d'accord? On voit que vraiment qu'il y a quelque chose qui se met en route, qu'il y a quelque chose de stable, vous avez vous avez envie d'avoir une relation structurée, celle-ci est peut-être en train de se structurer justement actuellement, en tout cas vous travaillez les bases et les fondamentaux. On nous parle ici de patience hein, et de temps
de temps qui passe. On voit ici que, effectivement, ce n'est pas une relation dans laquelle vous pouvez vous précipiter, foncer tête baissée, sans réfléchir. La personne qui est en face de vous a besoin de temps pour avancer avec vous. Ici, on nous parle d'avidité, d'accord? Donc là, il y a des choses... j'ai l'impression que la personne en face se pose beaucoup de questions, ou si c'est vous-même ici. J'ai l'impression qu'elle fait ressortir un côté d'elle-même qui n'est pas du tout à votre goût, d'accord? Mais le fait-elle volontairement, ou est-ce que c'est une façon pour elle de se protéger et de vouloir un peu vous repousser pour... vous voyez, parce qu'elle elle a la peur de ne pas y arriver. Hein. Elle est face à ses peurs actuellement. Elle est face à... vous la mettez bien en face de ses peurs, justement, hein, cette personne-là. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de fuite, hein, cette avidité. Pour moi, cette personne-là n'est pas réellement comme ça. L'avidité ici, je pense que cette personne ne tend qu'à une chose, c'est justement... inverser la tendance pour ne plus être comme ça. C'est une protection pour elle parce qu'elle vraiment, vraiment, elle a peur de ne pas réussir avec vous, de ne pas réussir à vous combler, de ne pas réussir à vous rendre heureux ou heureuse, de ne pas réussir à satisfaire vos attentes. Mais bon, vous voyez, on a quand même 3 et 1, ça fait 4. On revient ici sur cette énergie. Regardez. 9 et 3, ça fait 12. On revient sur la patience. Il y a quelque chose ici qui tourne en boucle. Alors. On va voir avec les rebelles sacrés. Comment est-ce que vous allez vous prendre les choses? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ce que vous voulez, vous veut. Déjà, voyez, vous avez apparemment envie de quelque chose. De toute façon, c'est une aspiration. Voilà, voyez, moi, je vois l'espèce de spirale, là, au niveau du ciel. Ce qui vous arrive, j'ai l'impression que c'est dicté par le ciel. Que de toute façon, oui, effectivement, ce que vous voulez, vous veut. Vous sentez que c'est plus fort que... que tout, quoi. Je suis en train de chercher mes mots. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que tout ce que vous voulez est en train de se mettre en place. Par contre, il y a une personne, la personne qui est en face, elle, met des bâtons, en fait, met des bâtons. On vous dit de plonger vers la lumière et on a le fou sacré ici, d'accord. Donc vous voyez, on a comme, mettez-le en pratique, ok. Ici, on voit bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez tout faire, tout mettre en place pour que vous puissiez vivre votre relation à chacun, d'accord. Vous avez envie d'être absolument avec cette personne, je pense que vous êtes absolument fou ou folle de cette personne. Et que vous allez vraiment faire beaucoup d'efforts pour elle. Vous allez, on vous dit, plonger vers la lumière, plonger vers la lumière, plonger dans votre océan à l'intérieur de vous. Vous allez aller, pour moi c'est une carte de l'ermite ici, hein, c'est... vous êtes en train de vous rechercher cet équilibre. Ici c'est la numéro 11, c'est la justice ou bien la force de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc il y a un équilibre recherché, une force intérieure de rechercher. Ici en plus on vous dit de vous plonger vers la lumière. Vous allez à l'intérieur de vous, vous allez plonger dans vos inspirations profondes. Vous allez vous remettre en question et vous allez aller vous poser les questions indispensables pour pouvoir avancer à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez vos propres réponses, d'accord? Ici, on voit le fou sacré, on voit que vous allez... Alors, il y a aussi un personnage ici qui est en train de manipuler une marionnette, mais pour moi, c'est pas ça. C'est que vous essayez de manipuler, maîtriser les choses qui sont un peu autour de vous parce que vous avez tellement une grande envie, une forte envie d'être avec cette personne que vous allez tout mettre en place pour pouvoir y arriver. Le fou, c'est celui qui s'en dans le tarot, c'est celui qui y va, qui fonce, qui fonce tête baissée, qui se pose même pas de questions en fait, parce qu'il est dirigé par son propre cœur, par son cœur, son feu sacré intérieur. C'est ça qui brûle en lui et qui lui donne envie d'avancer. C'est très très beau.
Alors, on va utiliser le tarot. On va voir donc concrètement ce qui arrive vers vous. Oh, ce qu'il est beau, ce tarot. Je suis totalement... Alors, je vais mélanger un petit peu. J'y vais mollo parce que j'ai tellement peur d'allumer les tranches. Par contre, il glisse bien. Il est... Oh, j'adore la qualité des cartes et tout. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 4 de coupe. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne va pas dans... Vous avez un petit coup de blues, quoi, là. Hein, parce que vous vous doutez. Vous doutez. Mais vous, vous n'avez pas à douter de vous. C'est l'autre qui est en face, qui, lui, a du mal à aller vers vous. Qui a peur de vous décevoir. Et vous savez bien que ce n'est pas à vous de travailler sur ce thème-là. C'est-à-dire que c'est à lui de voir... ou à elle, d'avoir confiance en eux. On ne peut rien faire à leur place. À part vous, allez bien. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous, les personnes qui avaient choisi le papillon violet? Qu'est-ce qui arrive concrètement? Merci beaucoup. Alors là, on a un valet de denier qui nous parle quand même d'étudier, de plonger. Comment vous dire ça? Ouais, vous êtes. Là, vous allez. Alors, suite à cette peine de cœur, moi, je dirais. C'est pas une blessure profonde du cœur, d'accord? Oh, mais vous voyez rien. Voilà. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas une blessure du cœur, ce n'est pas le 3 d'épée, hein, mais c'est quand même une morosité, une tristesse. On s'interroge beaucoup, on se pose des questions, on se dit mais mince, mais moi je suis tellement amoureuse de lui ou moi je suis tellement amoureux d'elle. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Vous réfléchissez sur votre émotionnel par rapport à cette personne. Ici, vous avez le valet de denier. On voit que ce qui se passe derrière, c'est que vous allez commencer à réfléchir, à analyser. Alors, vous le faisiez déjà, hein. Mais là, vous êtes à la recherche d'une réponse, à la recherche de solutions, en fait. Vous avez besoin de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc, vous étudiez les choses. Et vous voyez, on voit que derrière, du coup, suite à ce travail que vous allez faire ici, ce nouveau travail que vous allez faire par rapport à cet émotionnel qui est insatisfait, qui est triste et qui n'a pas finalement ce qu'il veut, hein, eh bien ici, on voit que vous allez vous mettre en action. Le cavalier d'épée, il est là, lui, c'est la carte de la rapidité du jeu, c'est la carte du mouvement, c'est la carte de « on avance » et de manière rapide. Donc j'ai l'impression... Ici, vu que ça nous parle quand même du mental, hein, l'épée, les idées, le mental, l'esprit, d'accord? Eh bien, on voit bien ici que suite à cette recherche que vous avez faite sur votre autre ou la personne qui est dans votre cœur, on voit que vous allez mettre en place des choses, que ça va avancer, d'accord? Ça va avancer. C'est marrant parce que c'est encore dans cette énergie du fou sacré ici, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Et pourtant... La personne ici, elle, moi je pense que là, du coup, on parle vraiment de l'autre, ici, en entier, finalement, a besoin de patience. Alors, attention, on va voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qui arrive ensuite, s'il vous plaît? Oh, ces cartes! Allez, qu'est-ce qui arrive ensuite, s'il vous plaît, les amis? Merci beaucoup. Alors, on va retourner le dos de deck, après on va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a encore... On a vraiment une histoire de... Ah, oh, j'ai l'impression... Waouh, magnifique. Vous êtes... Il y a une forme de timidité chez vous, c'est ce que je ressens. Alors, on est sur un valet de bâton ou un valet de denier. C'est vrai que ce n'est pas le valet de coupe qui, lui, pourrait nous parler de timidité. Mais je sens quelque chose de timide chez vous. Vous n'osez pas trop. Vous êtes un petit peu...
Bah, en fait, c'est normal. En même temps, vous êtes un peu frileux, hein. On vous ouvre pas tout en face. On vous dit pas, ouais, mais ça, c'est bon, t'inquiète pas. Enfin voilà, on vous ouvre pas toutes les fenêtres et les portes en face, hein. Donc c'est normal que vous soyez un petit peu timide, hein, mais donc on sent qu'il y a quand même la naissance d'une idée ici. Vous avez envie de mettre en place des choses. Vous allez trouver quelque chose. Vous allez avoir envie de toute façon, quoi qu'il arrive, de communiquer avec cette personne. Vous allez peut-être recevoir même des nouvelles, hein, avec le cavalier d'épée. Parfois, ce sont des nouvelles carrément, des nouvelles physiques, hein, de la personne. Et ici, il y a le valet de bâton qui nous parle de créativité. Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous allez trouver un moyen, quelque chose de nouveau, hein. On est sur du valet de bâton, on est sur une nouveauté, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de frais, de jeune. D'accord? Donc ici, j'ai l'impression que vous allez trouver une idée très créative, une idée un petit peu folle, une idée un petit peu qui sort de l'ordinaire pour pouvoir du coup aller vers votre... Alors là, on est sur le 3 de coupe. Elle est magnifique, cette carte. Pou, pou, pou. Incroyable. 3 de coupe, ici, on voit qu'il y a une célébration. Alors, moi, ici, ce que ça me dit, alors, après, vous adaptez à votre situation, hein. Ici, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, un événement qu'on célèbre, où on se rapproche de nos proches, vous voyez, quelque chose que l'on fête, ou quelque chose comme ça. Ici, j'ai l'impression que vous allez profiter de cette situation-là. D'accord? C'est pour ça que vous avez une nouvelle idée, quelque chose qui se met en place, la créativité, c'est-à-dire un peu l'originalité aussi, hein, du coup. Et ici, avec ce 3 de coupe, vous allez en fait peut-être avoir un événement familial, un événement avec vos proches, quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez peut-être un événement que vous allez fêter. Et vous allez, du coup, je pense, inviter cette personne à cette journée, cette soirée, ce repas, ou qui sera parmi d'autres mondes. Ça vous permettra du coup un petit peu de vous mélanger à votre famille, de vous mélanger, ben voilà, que la personne soit là, de lui présenter plus ou moins, voyez, de l'intégrer un petit peu dans votre monde, sans trop en faire, sans dire officiellement que la personne est avec vous. C'est pas obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Ben on a l'as de coupe. Hein, l'as de coupe. Oh là 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 là. Pff. Non mais, et il est 22-22. Bon, alors là, ce qui est clair, c'est que l'on vous montre que quoi qu'il arrive, cette personne-là, elle est faite pour vous. Derrière, on va avoir quoi? L'as de coupe, l'abondance amoureuse. C'est prévu pour vous ici, cette histoire d'amour. Vous allez la vivre. Faut juste que la personne qui est en face de vous guérisse quelques petites blessures. Regardez-moi ça. L'amoureux, oh, c'est magnifique. Valet de coupe derrière. Cavalier de coupe. Ouais, la rapidité, la vitesse. Non, vraiment, vous avez un tirage qui est magnifique. Je vous le dis. Ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment des gens ici qui sont destinés à être ensemble. D'accord? Il y a une histoire de destin. Je n'ai pas dit que ça allait être chose facile. Mais As de coupe et l'amoureux pour terminer le jeu, je trouve que c'est quand même assez énorme. On va tirer la carte conseil. Alors non, on va d'abord tirer une carte de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a envie de nous dire par rapport à vous, les personnes qui avaient choisi du coup ce papillon violet, ce papillon rose? Quel est le message pour vous, s'il vous plaît, les personnes qui avaient choisi le papillon? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez entendre? Merci beaucoup. Couleur. Waouh. Trop beau, hein. Vous êtes vraiment, je sens une énergie vraiment très très jolie autour de vous là. Donc je prends, alors voilà, bon, j'ai même pas besoin de chercher. Hein. Waouh, alors on vous dit, attention, écoutez bien, au cours des prochains jours, soyez attentifs aux couleurs qui vous attirent. Les couleurs de vos vêtements, la nourriture que vous mangez et ce que vous buvez ont un effet profond sur la façon dont vous vous sentez. Lorsque vous vous sentez attiré par une certaine couleur, prêtez attention à l'énergie qui en émane. Comment cette couleur vous fait-elle vous sentir? Peut-être fait-elle naître en vous une certaine humeur ou évoque-t-elle un certain souvenir? Au fond, la couleur est une vibration. Chaque couleur ou combinaison de couleurs vibre à une fréquence particulière. Lorsque vous êtes attiré par une couleur en particulier, c'est parce qu'une partie de vous résonne avec sa fréquence. La fréquence d'une couleur peut vous aider à rééquilibrer vos émotions et retrouver votre bien-être. Waouh!
C'est super beau. On vous conseille même, il y a une petite méditation que l'on vous conseille de faire. Donc je vous mets ça là et vous pourrez faire pause sur la vidéo. Si vous voulez faire du coup la prière. Voilà. Bon, bah, c'est très beau et c'est marrant parce que cette histoire de couleur, elle est là depuis le départ. Et avec ce papillon déjà violet, rose, qu'on n'appelle pas de l'appeler. Allez, le conseil pour vous du coup, ce que vous allez avoir à travailler. Donc déjà, première chose à travailler, la couleur. Bien étudier la couleur qui va vous suivre la semaine suivant la vidéo. C'est une vidéo qui va rester en temporel. Donc peu importe quand vous l'avez, quand est-ce qu'elle sort. Voilà, voilà la carte conseil pour vous. On vous dit renforcer sa détermination. On est sur du 2 encore une fois. Donc là, ouais, c'est vraiment très très beau. Renforcer sa détermination. Ne lâchez rien. Vous avez une idée en tête, ne la lâchez pas. On vous a dit ici ce que vous voulez, vous veut également, d'accord? Donc surtout, si vous avez des coups de mou, des coups de baisse de morale par rapport peut-être à cette histoire d'amour ici, que la personne ne vous montre pas forcément ce que vous souhaiteriez qu'elle vous montre, eh bien, dites-vous que ce n'est qu'illusion probablement. Moi, je sens que c'est une personne qui est amoureuse de vous, mais qui malheureusement va devoir travailler sur quelques peurs avant de pouvoir être avec vous. Mais je sais que vous allez avoir vraiment cette créativité à l'intérieur de vous pour pouvoir attirer cette personne à vous au mieux, au mieux. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. On va regarder, pardon, j'ai failli pas la retourner. On vous dit si la réponse à votre question amoureuse, on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je crois que là, c'est très très clair. On vous dit d'avancer, on vous dit de foncer, on vous dit de vivre ce que vous avez envie de vivre. On vous dit qu'il y a probablement, c'est probablement un grand amour à laquelle vous pensez. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment des gens qui sont faits l'un pour l'autre. En tout cas, s'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, jusqu'à la fin de leur jour, vont vivre une magnifique histoire d'amour. Écoutez votre intuition, car vous avez probablement une intuition qui est juste par rapport à cette personne. Voilà les amis, bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite et n'hésitez pas, enfin voilà, j'ai plus envie de vous dire de vous abonner, de liker parce que ça paraît logique en fait. D'accord? Donc voilà, on se retrouve très vite, je vous embrasse très très fort les curieux, à bientôt. Allez, coucou les curieux qui avaient choisi le tas numéro 2, le tas numéro 2, la carte numéro 2 ici. Avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un couple. On a un couple sur lesquels veille un oiseau blanc, comme ça, avec des ailes vraiment qui ressemblent à un ange. Et ici, on a la carte de l'amour. Pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Cette fleur, cette rose-là qui est là. Ok, alors. On va aller voir du coup, comme pour tous les autres, comme pour les autres personnes, pardon. Qu'est-ce que je raconte pour tous les autres? J'en ai fait qu'un. Donc on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes déjà sur le point de vue amoureux. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un en tête? Est-ce que vous êtes, je sais pas, peut-être que vous avez une personne en vue. Ou peut-être qu'il n'y a personne du tout en vue et que vous attendez l'amour désespérément. On va voir, on va regarder. Donc, quel est le message que l'on doit donner aux personnes? Non, il y a trop de cartes là. Une par une, s'il vous plaît. Quel message doit-on donner aux personnes qui ont choisi? La carte numéro 2, s'il vous plaît. La motivation. Alors, cette carte me parle beaucoup. Magnifique ce jeu, hein, vraiment. Alors ici, avec cette motivation, on voit qu'il va vous falloir quoi? Alors moi, ce que je vois pour moi est très clair. Vous avez besoin de motivation pour pouvoir grimper à cette belle échelle
qui se dirige vers où? Directement, moi, pour moi, là, c'est la source que je vois en haut. Donc, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, hein? L'énergie créatrice, enfin, ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je vais l'appeler la source. Ok. Donc, je vais prendre d'autres cartes, hein, juste pour analyser un petit peu. On voit que le chemin est quand même, alors, haut, long, difficile. Par contre, il est fleuri. Ok. Alors, d'accord. Oh, oh là là, c'est beau ça. C'est magnifique. Bon. Déjà, moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, ça saute un petit peu à la figure. Déjà, beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Vous voyez ici, on a quoi? On a une carte d'obstacle, c'est tout. Le reste, c'est quand même relativement positif. Dos de deck, l'apparaisse. Ouf. Alors, regardez le dos de deck. Il est totalement noir. Alors, ok, bon. J'ai quelque chose qui me vient ici. Alors, déjà ici, pour moi, il y a des personnes qui sont en couple ici, déjà, qui sont en train d'évoluer ensemble, de la même manière. Ils se dirigent ici vers la source. Seulement, ce parcours n'est pas... est semé d'embûches, semé d'obstacles, semé d'épines, de... problème à résoudre. Ici, vous voyez avec cette gestation et ce numéro 10 ici, moi ce que je vois ici, c'est un parcours. Je vois un parcours ici, moi. Il y a un parcours à faire. Cette regardez cette synchronicité de fou. On voit l'échelle ici, d'accord? L'échelle, bon, les obstacles. Ici, on est dans les nuages hein, déjà, d'accord? Il y est là dans les nuages. On a du mal à avancer vers ce parcours. D'accord, ici. Et ici, vous allez grimper, vous grimpez, vous grimpez. Et il y a la gestation. C'est-à-dire que il va falloir patienter pour certaines choses. Ici, on voit qu'il y a ce personnage qui est arrivé, mais il a encore beaucoup de travail pour entourer cette planète avec tous ses feuillages. Ici, les autres ici sont déjà avancés. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un travail qui est en route. Il y a quelque chose qui est en train de... qui est sous gestation. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient en route, comme un espèce de travail qui est déjà en route, en train de se faire, pour pouvoir arriver un jour, à un moment donné, ici, à cette justesse. À cette transformation, à cette légèreté, à cette purification, à cette... libération. Il y a quelque chose ici de très très fort. Ici, il y a des flammes jumelles. D'accord? Ici, il y a des... Alors, j'aime pas dire ça. Vous savez que il m'arrive un... Bon, je vous en parlerai plus tard. Mais moi qui suis... qui fuyais un peu ce système de flammes jumelles, eh bien, je viens de me faire avoir par des événements qui font que, finalement, ça me fait déjà beaucoup moins rire. Mais je vous expliquerai ça, de toute façon, un jour ou l'autre. En tout cas, ici, il y a des flammes jumelles, j'en suis sûre. Ici, il y a des personnes aussi qui peuvent être célibataires, hein, ça peut arriver aussi. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de quelque chose, qui ont envie d'aller vers une histoire, qui ont besoin peut-être d'une forme de motivation, mais qui ont des obstacles d'abord à gérer pour pouvoir être prêt et être juste à accueillir l'amour. Mais là, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un couple déjà... créé, on va dire, créé dans le monde subtil. D'accord ? Y a peut-être des gens qui ne se sont pas encore rencontrés, mais qui se connaissent déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. On va voir ce qui vient vers vous. Oula, bon, dis donc, quel travail vous allez avoir à faire. Alors, ici, oh, c'est magnifique. Bon, là, c'est sûr qu'il y a des flammes jumelles. Soyez le chasseur, pas le chassé.
Alors, si vous connaissez le parcours des flammes jumelles, c'est très particulier, donc vous n'êtes pas obligé de le connaître, d'accord? C'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne, mais je vais en parler puisque on me pousse à en parler en fait là. Ici, soyez le chasseur et pas le chassé. Dans le parcours de flammes jumelles, il existe un chasseur et un chassé, justement, d'accord? Le chaser et le runner. Ici, on nous parle du chaser. On vous dit de prendre votre place de chaser, justement. On vous dit que là, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Là, on voit vraiment qu'on a une connexion qui est divine. D'accord? Ici, le chemin, c'est un parcours ici que l'on voit en fait, la motivation là. C'est un parcours vers le divin. Le parcours vers le divin, c'est absolument le but en soi des flammes jumelles. D'accord? Alors, au-delà de l'esprit, le cœur bat. On est sur du 3, beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup de 3 là pour vous ici. On est, il y a des projets. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Il y a un but en soi. Il y a une réalisation. Il y a un alignement qui va se faire. Il y a un équilibre. Il y a des actions qui se mettent en place pour que vous puissiez vous équilibrer. Et ici, on a encore un 3 avec cette inspiration. Moi ici, ce que je vois vraiment, c'est que je vois des énergies vraiment de source, de la source. On voit que l'univers est à vos côtés, qu'il vous inspire. Il vous envoie beaucoup, beaucoup de messages pour pouvoir vous aider à avancer sur votre parcours et sur votre cheminement. C'est ce que je vois vraiment, vraiment, vraiment. Je vais en tirer une quatrième des rebelles sacrés. Ok. Ce qui en vaut la peine. Ce qui en vaut la peine. Et on est sur la justesse. Et on a encore, une fois de plus, ce hibou, cette chouette, vraiment ce chasseur, le chaser. Ici, si vous êtes en parcours de flammes jumelles, vous allez, sachez, pour ceux qui ne connaissent pas, que vous allez beaucoup en baver, d'accord? C'est pas un cadeau. Hein. Enfin, c'est un cadeau. si c'est un cadeau d'être sur un parcours de flammes jumelles, lorsqu'on arrive au bout. Ça peut être aussi vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Ceux qui le vivent le savent. Vous êtes obligés de passer par des moments qui sont hyper difficiles. Vous êtes dans de la souffrance la plupart du temps, d'accord? Mais après, le but en soi, c'est justement de ne plus avoir de souffrance. C'est de guérir ses blessures, d'avancer sur son cheminement propre et intérieur afin que l'autre puisse finalement en bénéficier aussi et puisse lui aussi évoluer, la personne qui est en face évoluer, d'accord? Voilà, bon, ici vraiment il y a on voit que surtout on vous dit, parce qu'on vous parle de motivation quand même ici hein, on vous dit de chasser, de ne pas être le chassé. On vous dit d'être inspiré. On vous dit que ça en vaut la peine. On vous dit qu'à la fin, il y a une espèce de justesse. On vous dit qu'on s'est en gestation. La seule chose que l'on vous dit, c'est oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des obstacles. Sur un parcours de flammes jumelles, il y a des obstacles. Si vous n'êtes pas en parcours de flammes jumelles, vous pouvez aussi vivre tout simplement une histoire d'amour, mais qui n'est pas de flammes jumelles, mais vivre tout autant de bonheur et de magie que sur un parcours flammes jumelles. Parfois même avec un peu moins de souffrance. Ouais, tout à fait. Alors, on va aller voir. Donc, qu'est-ce que j'ai cherché? Alors, le tarot. Le tarot. Donc, on va aller voir concrètement ce qui arrive pour vous dans la matière. Après, vous savez, le problème. Alors, les flammes jumelles, c'est qu'elles sont dans la matière, certes, mais alors elles sont souvent là-haut, perchées là-haut. Donc, c'est bien, on a tout vu de ce côté-là, mais. Dans la matière en soi, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière? Avec le magnifique tarot de la sororité sacrée. Waouh! Qu'est-ce qui arrive vers vous? J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau parce que c'est tellement limpide et lucide. Enfin, bref. Bon, le cavalier de coupe, hein, c'est quoi ça? C'est une énergie d'amour qui arrive vers vous. C'est une personne qui arrive vers vous avec ses sentiments amoureux. Parce qu'elle vous aime, elle a envie de partager des choses avec vous, elle a envie de vous donner le peu qu'elle a, elle a envie de vous le partager avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous donner, quoi qu'il en soit ici. Hein.
et qui arrive vers vous dans la matière. Ensuite, s'il vous plaît, merci de nous donner un message juste et clair. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, merci beaucoup. Voilà, on voit que ça arrive rapidement. Il y a des communications qui vont se mettre en place avec la personne à laquelle vous pensez. Hein. Donc du coup, là, si vous êtes les chasers, c'est votre honneur. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé d'être une flamme jumelle, hein, n'oubliez pas, hein, il n'y a aucun problème. Donc là, ça peut être aussi tout simplement la personne à laquelle vous pensez qui arrive. Ouais, alors ça c'est beau parce qu'ici, on nous parle quand même de confiance en soi. On nous parle d'un personnage qui est sûr de lui, qui avance, qui est là, ouais, qui a beaucoup de courage, qui sait où il va. Il avance, sa petite fleur dans le dos, là, son bonheur, son soleil, hein, ses réalisations dans le dos, comme s'il avait en plus quelque chose qui vous cache, mais à vous donner, voyez. C'est magnifique, hein. Alors, c'est trop beau parce que cette personne va vous offrir quelque chose, hein. Alors, comment dire? Ah, oh, zut, comment ça s'appelle? Le tournesol représente, c'est la carte du soleil, hein. Le bonheur, la réussite, la joie, la légèreté, enfin, vous voyez? Là, donc, il y a quelque chose qui arrive vraiment vers vous. Il y a vraiment une idée que ça avance. Vous voyez? Ça avance. Alors, si vous êtes en parcours flamme jumelle, alors là, c'est que du bonheur parce que quand ça avance, ça fait du bien quand même. Hein. Ici, 8 donc de... Pardon. 8 de bâton qui nous parle de communication ou aussi de rapidité. Et la personne qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, ici, bon, évidemment, ça aurait été trop beau. On a une petite baisse au niveau de l'émotionnel. Alors, on est quoi? C'est une réflexion qu'on se fait? On est en réflexion. Il y a quelque chose qui vous tourmente, là, en tout cas. Si c'est pas vous, oui, ça doit être vous. C'est vous. C'est vous que je ressens. Et on finit par la carte des amoureux. C'est absolument hallucinant, hein, parce que je suis quand même sur un tirage amoureux. Et le premier tirage, eh bien, vous savez que je l'ai... Alors, ici, 5 de deniers. Il y a des manques, hein, encore, par contre. Hein. On n'est pas encore en totale osmose, hein, ici. Hein. Bon. Dans le jeu numéro 1, j'ai tiré l'amoureux aussi. Donc, ici, on n'est pas en totale osmose. Il y a quelque chose qui va être gênant, là. Il y a encore quelque chose. Je pense qu'il va y avoir... De toute façon, vous... Alors, déjà, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, des obstacles, il y en aura beaucoup... Jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des vraies retrouvailles, des séparations, et puis il y en avoir 18, hein, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui ne sont pas en parcours de flamme jumelle, eh ben, ici, on voit que la personne arrive avec confiance vers vous, elle a quelque chose à vous offrir, à vous donner. J'espère pas que là, elle vous tourne le dos. Moi, j'ai l'impression qu'elle avance. Ouais. De toute façon, le roi de bâton, c'est... Il n'y a pas de souci, quoi. Peut-être même des pros. Alors là, du coup, je me mets en doute. Je vais reprendre une carte sur le roi de bâton. Alors. Ah bah, le cavalier de bâton, c'est intéressant ça. Donc, moi, ce que je sens ici, c'est que la personne va venir vers vous. Il y a une énergie quand même de... J'ai l'impression que de toute façon, on nous parle de passion. Hein. De toute façon, il y a une prise de décision ici, la personne... vient vers vous, il y a une idée de vraiment j'ai envie de foncer, j'ai envie de te donner, j'ai envie de te donner beaucoup, j'ai envie de te partager mon amour, j'ai envie de te montrer un petit peu ce que ma motivation envers toi, hein. Mais il y a quelque chose qui va vous déranger ici. C'est pas grand chose pour moi. On est en dessous de la carte de l'inspiration quand même, hein. Peut-être qu'ici, il y a une énergie, une motivation, quelque chose qu'il a envie de faire. Il y a une volonté d'aller vers vous. Et que vous, pendant le moment où il est en train de se dire ça, vous commencez à désespérer. Vous commencez à vous dire, mais non, mais c'est pas possible, il va jamais revenir vers moi, j'en peux plus.
j'en peux plus d'attendre, c'est pénible. Et au final, la personne revient, et voilà pourquoi on a la carte des amoureux. Il se repositionne vers vous, il avance vers vous, et vous donne de ses nouvelles, et vous déclare totalement sa flamme. Alors, bon, bah écoutez, je voulais une carte. C'est bien ça. Je voulais une carte de Marie-Madeleine qui nous parle d'intimité. Vous voyez, il y a quelque chose, on se rapproche. On se rapproche, on se touche. Ça y est, quoi. On va pouvoir peut-être enfin, pouvoir passer un moment à deux. Alors, intimité, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. Alors, ici, il y a des personnes qui ont pu par le passé, du coup, avoir des blessures hein, concernant votre intimité, d'accord? Être blessé par quelqu'un que vous, avec, à qui vous avez peut-être partagé trop vite votre intimité. Et du coup, ça peut vous faire peur de repartager cette intimité avec cette personne-là. Mais n'ayez crainte, moi, je sens que c'est une personne qui est de confiance, d'accord? Après, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans 5 mois, 6 mois, 1 an, parce qu'on ne fait pas du cas par cas ici, que c'est général. Mais ici, je pense que, voilà, travailler cette peur-là, vous pouvez avoir confiance en la personne, je vous dis, qui se dirige vers vous. Alors, maintenant, on va aller prendre le conseil. J'ai l'impression que j'ai oublié des cartes. Je sais pas. Non. On va aller voir le conseil. Bon, ah ben non, il y a trois cartes. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Quel est votre meilleur moyen d'avancer? De quoi avez-vous besoin? Merci. Le cadeau. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour vous là. Eh, c'est incroyable, c'est la même carte que tout à l'heure. Et on vous dit de renforcer la détermination. D'accord? Ne lâchez rien. Si vous êtes sur un parcours classique, ne lâchez rien quand même. Ne lâchez rien. Votre histoire d'amour, moi pour moi, j'ai très confiance en elle. Je sens que vous allez vers quelque chose de beau. La personne qui est à vos côtés, vous allez pouvoir avoir confiance en elle. Même si vous avez des doutes à un moment donné, vous inquiétez pas, ça va vite passer. D'accord? Ici. Si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, peut-être que là, vous allez avoir déjà une première retrouvaille, on va dire. Là, on ne parle pas de réunion, hein, on voit bien que ce n'est pas la réunion qui est encore ici, mais vous allez peut-être avoir un rapprochement physique déjà, et ça sera magnifique déjà pour vous, parce que c'est le genre de moment qu'on attend très très fort quand on est en parcours du flammes jumelles. Renforcer sa détermination, ne lâchez rien. Ne lâchez pas vos convictions. Hein. De toute façon, si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous n'avez pas le choix. J'ai envie de vous dire. Après, si on a toujours le choix, hein, si vous ne voulez pas le faire, le parcours, ne le faites pas. Après, c'est quand même dommage. C'est la source qui vous fait un cadeau. D'accord? Le cadeau. C'est un cadeau de la source qui vous est fait. On vous donne l'occasion de pouvoir aider l'humanité avec l'amour inconditionnel. Moi, pour moi, ce sont des cadeaux qui ne se refusent pas. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Personne n'est obligé à rien dans la vie. D'accord? Allez, on va aller voir du coup la carte. La carte du coup numéro 2 que vous avez choisie sur... comment il s'appelle déjà? L'oracle des amoureux. Et nous avons... Bon, ben voilà. Comme ça, c'est clair. Pour ceux qui avaient un doute, les flammes jumelles. Non, mais j'en reviens pas. C'est impressionnant, j'en étais sûre. Vous voyez, j'en étais sûre. Il y a quelque chose de très puissant dans ce tirage ici. On sent que ouais, le parcours de flammes jumelles est bien là présent. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas sur une flamme jumelle, c'est pas grave. Vous pouvez être aussi des âmes sœurs, d'accord? L'âme sœur et la flamme jumelle, c'est pas la même chose. Une âme sœur, c'est une âme avec laquelle vous allez entrer en connexion, en phase également. Mais vous êtes deux âmes qui sont bien distinctes. Une âme et une autre âme. Une flamme jumelle, des flammes jumelles, ce sont des gens, des âmes que la source a décidé
de diviser en deux et de mettre chacun dans sa petite vie. Et le but, évidemment, est qu'ils se retrouvent. Si jamais ils se retrouvent et qu'ils avancent sur leur parcours ensemble, déjà, ils vont évoluer. Je vous explique un petit peu comment ça marche. Ils vont évoluer chacun l'un et l'autre de leur côté et ils vont en plus aider l'autre à avancer sur ses peurs, sur ses indécisions, sur toutes les blessures. Surtout, c'est les blessures et les peurs que l'on travaille en flamme jumelle. Et une fois que vous avez quand même travaillé, mais ça peut prendre des années, ou quelques mois, mais en général, ça prend quand même des années. Et au bout de plusieurs années, s'il doit y avoir, il y aura réunion, réunion de cette âme au niveau céleste. Et de là, par contre, voilà, va émerger un amour inconditionnel qui va pouvoir retomber finalement sur toute la planète, les êtres humains. Qui sont présents sur Terre. Voilà les amis, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Écoutez, j'espère que je suis pas partie trop dans tout et n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, je vais poster la vidéo parce que je sens qu'il faut que je la poste. Même si ça va intéresser ou si ça va parler qu'à une ou deux personnes, eh ben c'est pas grave, mon but sera atteint. D'accord? Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette phase numéro 2. Je vous embrasse très fort les curieux, je vous fais des très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez à nous le groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce magnifique personnage entouré de la lumière violette. Moi, c'est ce que je vois ici, les rayons violets, les rayons de la protection, les rayons divins qui l'entourent et qu'elle reçoit vraiment au niveau de tous ses chakras ici et de la couleur violette. Ouais, magnifique. Magnifique. Alors, on va aller voir pour vous du côté amoureux comment ça va se passer. Les amis. Alors, quelle est l'énergie déjà qui vous entoure actuellement au niveau amoureux? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On va voir ça. Donc, on a eu des messages assez beaux jusqu'ici. Alors là, on nous parle des croyances. Alors, moi, quand je vois les croyances, ça me fait tout de suite passer aux croyances limitantes, hein. D'accord? Donc, je connais pas le jeu, je ne le connais pas, c'est la première fois que j'utilise, donc soyez indulgents. Hein. Mais les deux premiers tirages, ça s'est très bien passé. Alors, la compassion. D'accord. C'est aussi la carte de la... Waouh! Non, 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 non. Non, 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 non. Alors. La peur de se tromper, ok? Et la dernière carte. Je vais les prendre, j'ai envie de les prendre. Ouh là 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 là, c'est trop beau que je viens de voir. Waouh. Ok, d'accord. Je comprends. Bon bah alors là, c'est le total, c'est la totale. Hein. Regardez-moi ça. C'est magnifique. J'ai ici des gens qui vont se marier. Alors, ici j'ai des gens qui Ah, waouh, c'est trop beau. Excusez-moi, je reçois plein d'infos. Il est question ici de religion. Le peu de fois où j'en parle, mais il est question ici de religion. Il est question de doute. Il est question d'une personne ici qui...
qui détient des fausses croyances, hein, qui détient des fausses croyances ici et qui a un petit peu, vous savez, peut-être qu'il y a des esprits, il y a une personne qui a un esprit un peu limité dans le sens fermé par justement ses religions, ses carcans qu'il a eu ou qu'elle a eu tout au long de sa vie par rapport à cette religion. Aujourd'hui, on va lui demander d'être plus dans la compassion et c'est ce qu'elle va vous donner. Cette personne va peut-être réfléchir, faire une introspection intérieure, si ce n'est vous, hein, bien sûr, afin de... Elle va se rendre compte que finalement, tous les préceptes que cette personne a appris depuis toute petite, depuis l'enfance, elle ne les applique pas forcément dans son quotidien. Et aujourd'hui, justement, par rapport à un choix, par rapport à cette nouvelle vie qui est avec vous, se voit du coup perturbée puisqu'elle n'arrive pas forcément à appliquer eh bien, ces préceptes qu'on lui a appris. Et finalement, cette personne manque de tolérance envers vous et votre manière de faire, d'agir ou de voir la vie. Ouf, excusez-moi, je suis partie dans mon truc là. Le problème, c'est que cette réaction ici va vous faire vous poser des questions. Vous avez peur de vous tromper. Vous vous dites, mais attendez. Mais attends, mais... il ne peut pas penser comme ça. C'est pas possible. Et en fait, j'ai l'impression que jusqu'ici, tout allait très bien. Vous étiez un couple où tout allait très bien. Et il a fallu, par rapport au fait que vous ayez peut-être une demande en mariage, vous voyez ici, si elle n'est pas encore arrivée, eh bien, elle va arriver quoi qu'il arrive. Mais j'ai l'impression que non, elle est déjà arrivée, cette demande en mariage, ici. Et vous avez peur de vous tromper. Oui, effectivement, on va de toute façon vous demander votre main. Mais c'est en fait cette religion-là qui est autour de vous, qui vous fait ouvrir les yeux, en fait, sur une attitude, une fausse croyance que votre autre a à l'intérieur de lui. Cependant, la porte est ouverte, hein, avec la lumière derrière. Il suffit juste de la passer. Donc, on voit bien qu'il y a un passage en ce moment, il y a une transformation. De toute façon, ici, on a un passage, on a une ouverture, on a une porte qui est ouverte. Ici, vous avez avec la compassion, du coup, des tonnes de papillons ici qui nous parlent de transformation. Oui, ben, la peur de se tromper. Ici, on voit bien que le personnage a les mains liées, hein, elle se lie les mains. Mais si vous regardez bien, on a une lumière ici très intense qui arrive. Cette personne va trouver la réponse. Il suffit juste qu'elle interroge la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle aura la bonne réponse. Ici, vous allez avoir une demande en mariage. Peut-être que vous l'avez déjà eue. En tout cas, ici, oui, ça va se faire. Vous allez vous mettre avec cette personne. Alors, on va voir justement avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qui arrive, en fait? Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer de particulier? Connexion consciente. Envoyé du ciel. J'ai des frissons partout. Écoutez, je vous ai fait trois tirages. Les trois tirages sont juste incroyables. Magnifiques, de toute beauté. C'est waouh. Très puissant parce que vous êtes tous connectés là. Je n'ai que des gens connectés. La perfection de votre vie. Ok. Et j'ai encore le fou sacré. Hein. Là, on a fait trois tirages. C'est comme si vous étiez tous liés les uns aux autres. C'est magique. C'est magique. Alors, ici, ce que je peux voir, connexion consciente. Vous voyez, connexion consciente sur les croyances. Ne croyez pas des choses. Enfin, ne croyez pas des choses, en fait, vivez-les pour les prouver au final. Comment dire? Soyez conscient de tout ce qui vous arrive dans cette vie. Soyez conscient que votre autre là aujourd'hui est guidé vers vous. Ce n'est pas pour rien. On vous demande d'être dans la compassion. On vous a envoyé du ciel cette personne. C'est un cadeau qu'on vous a fait encore une fois.
Vous avez eu un, on vous offre ce cadeau, ça vous est envoyé du ciel, c'est magnifique, c'est tellement beau. Oh! Ici, vous avez peur de vous tromper. On vous dit la perfection, on vous parle de la perfection de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doute. Pourquoi vous avez un doute? Vous n'en avez pas eu jusqu'ici, en fait. Pourquoi remettre en question? Affrontez vos peurs. Affrontez vos peurs. Mettez-vous face à elles parce que la peur, c'est le mental. Et là, quand le mental prend le dessus, ben oui, effectivement, il vous sabote. C'est normal. Ici, on vous dit que vous allez avoir une demande à laquelle vous allez dire oui. Et là, on vous confirme une fois de plus avec quoi? Avec le fou sacré qui nous parle d'un nouveau départ, d'accord? Qui nous parle de nouveauté, de oser aller de l'avant, de foncer. Donc moi, je trouve ça magnifique, hein, là, votre histoire, là. Moi, je vois pas de choses graves ici. Je vois que des gens qui ont besoin de comprendre encore un peu plus certaines choses dans leur vie. Mais il n'y a pas forcément ici de choses catastrophiques. Il suffit juste de croire en vous, en fait, dans ce tas-là. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous, du coup, au niveau concret? Dans la matière, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui s'approche de vous? Alors, on nous parle. Waouh, mais c'est juste faux. Mais dis donc. Roi de denier. C'est juste incroyable. Et 7 de denier. Vous faites le bilan, vous réfléchissez. Ok. Bon, ici, il y a encore un tirage qui est juste incroyable, hein. Magnifique. Enfin. Donc là, on vous parle de partage ici. D'entraide, de s'aider, regardez, connexion consciente avec l'autre. Vous allez aider l'autre à couper avec ses fausses croyances. Vous allez vous aider, ça va être un partage l'un de l'autre. C'est ça qui est fou, c'est qu'ici, on voit vraiment que vous êtes dans une histoire où vous faites les choses en commun à deux. Et en plus, ça vous fait du bien à vous. La personne qui regardait cette vidéo ici, hein, on voit que ça vous fait un bien énorme. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez ancré. Vous dites, attends, on va aller faire ça. Vous trouvez des solutions, vous êtes au taquet, vous gérez la situation comme une reine. Justement, c'est exactement ce que je vois ici. Et vous allez en plus du coup avoir la réussite au bout de ce travail. Ici, vous allez travailler ensemble en commun. Et en plus, réussir, on a le 6 de bâton, on nous parle de victoire, on nous parle de réussite, d'aller jusqu'au bout des choses et d'avoir un gain à la fin, de gagner quelque chose grâce au travail fourni. Vous gagnez par rapport ici au fardeau que a pu avoir votre autre auparavant ou bien les vôtres ici. Vous avancez, vous avancez. Ici, ce roi de denier qui est tourné vers l'avant, qui avance, qui veut, qui travaille, qui est dans l'abondance, il a réussi à. Il a travaillé, il a récolté, il avance, il est bien dans la matière, il est connecté à la nature, à l'univers, aux animaux. Bref, tout va bien. Donc, vous allez réussir. Pour moi, ici, c'est un cheminement qui est positif. D'accord? Vous allez vers de la positivité, vers du concret. Vous allez réussir à construire quelque chose avec cette personne dans la matière, justement. On a beaucoup de matière, on a du denier et on a du bâton. D'accord? Donc là, on est dans la matière, mais totalement quoi. Donc c'est beau parce qu'en fait, vous allez concrétiser sur terre ce que vous rêviez de vivre un peu dans votre esprit. Hein? On sent que l'histoire d'amour entre vous, elle est
très joli. Et que là, vous êtes. Là, il y a beaucoup de gens qui pourraient, oui, se marier, quoi. Vraiment prendre un engagement réel et sincère avec la personne qui est à vos côtés pour pouvoir, du coup, créer une famille, créer un environnement, créer un foyer, quoi qu'il se passe. D'accord? Donc, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Alors, on va aller voir avec, du coup, qu'est-ce qui nous manque là? Eh bien, on va aller voir avec Marie-Madeleine le conseil. Quel conseil, quel message est-ce que Marie-Madeleine a à nous donner? Qu'est-ce que Marie-Madeleine, quel est le message pour vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 3 ici? Oh, ma Marie-Madeleine, excusez-moi, j'ai même pas vu. Marie-Madeleine, carrément, quoi. Bon. C'est juste magnifique. Je vous dis, là, je me régale parce que les trois tirages. Pff, incroyable. Alors. Ah, excusez-moi si vous entendez mon ventre. Oh, mais alors, t'es où? Donc Marie-Madeleine vous dit d'aller de l'avant, d'oser être différent, que de toute façon vous allez commettre des erreurs, mais que c'est pas grave parce qu'il y a que ceux qui font des erreurs qui ne font rien. En fait, c'est une prière qu'elle vous dit, mais j'ai pas envie de la. En gros, elle vous dit de surtout vous diriger vers l'amour, parce que quand vous vous dirigez vers l'amour, vous vous dirigez vers la lumière. Marie-Madeleine a également une énergie d'amour inconditionnel. Elle, en plus, en plus, je veux dire, par rapport à Marie, la Vierge Marie, elle, en plus, a subi le rejet de la part de tout le monde. Vous voyez, c'est sa différence qui a. Elle est faite de différence, en fait, Marie-Madeleine. Voilà, elle a été rejetée, elle a été rejetée, elle était différente, elle a été mise de côté, mais aujourd'hui, elle a repris tout son galon et justement, et elle partage justement cette énergie d'amour inconditionnel au monde entier et aujourd'hui, le monde a enfin reconnu sa juste valeur. D'accord? Quel est le conseil que l'on, du coup, vous avez à recevoir? De la part du je réalise ton aspiration. Quel conseil devez-vous recevoir par rapport à votre histoire d'amour? Il y a deux conseils pour vous. On nous dit légitimer ses aspirations. Je crois qu'on nous parlait d'inspiration. Non, c'était. Non, pas dans celui-là. Légitimer ses aspirations. Et on vous dit, l'échec n'existe qu'au regard du désir. L'échec n'existe qu'au regard du désir. C'est ça. C'est exactement ça. Et là, on vous dit justement de légitimer vos aspirations. Donc, moi, j'ai l'impression que là, ce qu'on est en train de vous dire, de toute façon, il n'y aura pas d'échec. Enfin, c'est pas ce que j'ai ressenti ici. On vous dit légitimer vos aspirations, c'est-à-dire que donner de l'heure de la valeur. Soyez sûr de vous. Allez de l'avant. Quand vous avez une idée et que vous ressentez que c'est votre cœur qui parle et que vous êtes juste avec vous-même, foncez. Allez-y. Allez-y droit devant. N'ayez pas peur. Légitimez vos aspirations. Ici. On nous parle par amour ici qu'il y avait peut-être au début une personne qui avait des croyances limitantes, peut-être parlant de la religion, mais peut-être aussi parlant du quotidien, de certaines choses, en fonction de vous, en fonction de la personne qui va vivre à ses côtés. Ici, c'est à vous de lui prouver que non, que tout ira bien, que s'il y a des choses qui sont dérangeantes, eh bien vous êtes prêt tout à fait à changer certaines choses. Sans vous changer vous, bien sûr, à l'intérieur. Sinon, ça ne sert à rien, quoi. Vous n'êtes pas forcément fait ensemble si il n'y a rien qui vous plaît à l'intérieur de vous.
D'accord? Donc l'échec n'existe qu'au regard du désir, effectivement, car quand il n'y a que quand on désire quelque chose extrêmement que, et si on ne l'obtient pas, on se sent en échec. D'accord? Donc voilà. Allez, on va aller découvrir la carte cœur. Qu'est-ce qu'on vous disait ici? Ah, on vous disait un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et ça, c'est votre autre qui vous dit ça. D'accord? Donc là, je pense que c'est très clair, très simple. Vous êtes aimé de la personne qui est en face de vous. Ne doutez pas, encore une fois, ne vous mettez pas de barrière ni de croyances limitantes. Ne vous mettez pas de barrière. Et si la personne, si c'est l'autre personne à laquelle vous pensez qui se met des barrières limitantes, des croyances limitantes, eh bien, essayez de l'aider et de légitimer vos aspirations. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.